Non, non, mais... Madame, messieurs, pour accompagner l'apéritif, vous retrouvez l'éveil des papilles. En bas de l'assiette, un pain vapeur potimarron et anguille fumé. Au milieu, une chips de riz soufflé, gel de pommes vertes et déclinaison de saumon. Et je vous invite à commencer en haut de l'assiette avec le cocktail cosmopolitain revisité, cranberry, chou rouge et sorbet vodka. Mesdames, messieurs, devant vous, l'œuf en or, un œuf cuit parfait au ponzu, hollandaise de miso blanc, graines de sésame noir et blanche torréfiées et une mouillette à la compotée d'aubergine. Blanc, céréales ou complet. Voici, mesdames, messieurs, la déclinaison autour de quelques agrumes. Au bord de l'assiette, un cornet yuzu, salade de tourteau. Au milieu, gnocchi de cerfeuil, hollandaise citronnée et jus épicé. Et dans le bol, sorbet citron, crème de yaourt et royal d'oursin. Voici pour vous, madame. Vous avez la crème vichyssoise avec au-dessus les crevettes roses d'Islande, jeune pousse de salade à l'huile citronnée, sur le côté une salade de tourteau. Pour vous, messieurs, le parfait de foie gras d'oie, marbré d'une gelée de coing, pour accompagner feuilleté au grelot de cacao et touche de café et noisettes. Bonne dégustation. Et trois explos pour un veau, un lapin et une canette. Madame, voici pour vous l'aile de raie bouclée accompagnée d'une gelée de xérès, un écrasé de pommes de terre et une émulsion au beurre noisette et capre. Pour vous, messieurs, le dos de cabillaud laqué à l'oranger ou grand marnier, ainsi qu'une vinaigrette à l'olive verte et à l'estragon. Très bonne continuation. Donc en prélude de la viande, vous retrouvez l'explosion de foie gras, bonbons de foie gras, jus de raisin et mousse chartreuse, à boire d'un seul trait si possible. Je vais vous dire, je vous dis bonjour de Jean-Yves Schillinger à vous donner. Ah, merci. C'était mardi. Il nous a dit que vous donnerez bien le bonjour à Jean-Georges. Merci. J'ai failli passer hier chez lui, mais... Bah, il est fêté son anniversaire en plus hier. Ah bon? Ouais. Je ne savais pas qu'il avait son anniversaire. Ah bah, ça aurait été l'occasion. Ça aurait été l'occasion. Ça c'est canette chef, ça c'est la fin. Tu mets le truc au milieu. Madame a le pressé de lapin confit 20h, son gâteau orangé kumquat, jardinière de carottes et jus à l'angostura. Pour vous, monsieur, le veau en croûte briochée, chartreuse de châtaigne et potimarron, écrasé de potiron et jus au cumin. Et monsieur, la canette rôtie, gâteau tapenade et olive noire, gel de mûre et de chocolat. Et sur votre gauche, la purée de pommes de terre du chef.
Gros Hermitage, Cap Nord de chez Combier en 2013. Vous trouvez ici une grande spécialité du chef, le cappuccino de pommes de terre et de truffes. N'hésitez pas à aller au fond du bol pour avoir toutes les saveurs ensemble. Une partie de la boulangerie aussi qui est au sous-sol. Ah d'accord. Hein. C'est... On fait quand même pas mal. Hein. Pas mal de pas. Sous différentes textures, en marmelade, crue et cuite, insère sirop d'érable et copeaux de chocolat blanc. Messieurs, dessert autour du coin sous différentes textures également, sorbet au coin, tuiles de miel et sablé breton. Donc madame, vous retrouvez le dessert autour des agrumes corses, vous retrouvez le cédra ou la clémentine confite, et donc son millefeuille revisité à la mousse anisée. Monsieur, dessert autour de l'alique, donc son opéra revisité façon l'alique, avec son masque de femme en sucre, sa glace à l'orge torréfiée et donc l'opéra chocolat et café. Et pour monsieur, le retour de forêt, donc son champignon avec son dôme en chocolat. Vous avez à l'intérieur du sucre une mousse, donc la noisette et glace au sel. Excellente découverte. Donc
Vous avez un chocolat qui est au praliné, un autre qui a la coriandre et au citron vert. Vous avez également une petite madeleine, un moelleux au chocolat avec un cœur à la banane, un marshmallow au calamansi, et ensuite des petites noisettes enrobées de chocolat au lait et chocolat noir.